reviens à lui. Bell, arrête les conneries! Qu'est-ce qu'a dit Perseus? Il est où? Ce que tu vis là n'est rien comparé à ce qui t'attend si tu te décides pas très vite à coopérer avec moi. Où est Perseus? Réponds-nous, Bell! C'est l'unique cause de tout ce gros foutoir! Bell, tu étais l'un des agents de Perseus. Son associé, Arash Kadivar, t'a lâché sur le tarmac, en Turquie. Laissé pour morte. L'avion quittera Trabzon pour rejoindre Touga. Ça, tu le sais. Voilà ce que tu ne sais pas. Perseus n'y sera pas. Aucun de ces mercenaires ne quittera Touga en vie. Nous jetterons leurs corps dans la forêt, et puis nous apporterons les armes à Volkov, à Berlin. Ensuite, direction Solovetsky. Mais j'ai d'autres projets pour toi. Perseus te tient en haute estime. Je n'aime pas la compétition. On était là. On a mis la main sur toi quand tout a dégénéré. T'es un produit de la CIA, Bell. On devait remplacer ton ancienne identité par une nouvelle. Sims et moi, on a opté pour la CIA. On s'attendait à une plus grande résistance de ta part. Et on s'est servi de tes capacités pour les langues et la cryptographie. Qu'à faire. Le plus difficile, c'était ta mémoire. Le programme MK-Ultra de la CIA utilise les missions d'Adler au Vietnam comme modèle. Il fallait que tu connaisses cette expérience commune, ce lien du sang, pour avoir confiance. L'interrogatoire n'a pas marché avec toi, mais grâce aux recherches du MK-Ultra, on avait un plan de secours. Si tu croyais être quelqu'un d'autre, on pouvait te pousser à nous dire tout ce que tu savais. Suffisamment pour qu'on en soit là aujourd'hui, mais c'est pas encore fini. On doit faire notre boulot. On te contrôlait grâce à la phrase clé, mais on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Tes secrets ont toujours été à l'abri derrière une porte verrouillée. Bell, après ce qu'on t'a fait, j'imagine que dans l'immédiat, tu nous détestes. Mais je tiens à ce que tu prennes bien conscience de tous les enjeux. Cette histoire n'a rien à voir avec toi ou moi. Elle concerne des millions et des millions de personnes. Notre unique objectif, c'est de réussir à arrêter un homme dangereux qui ne suit aucune règle, si ce n'est les siennes. Alors dis-moi, où est Perseus? Lorsque nous contrôlerons l'arsenal Greenlight, nous ferons sauter toutes les bombes depuis notre base à Solovetsky. C'est le moment de choisir qui tu es vraiment, Belle. Où est Perseus? Depuis notre base à Solovetsky. Sims, tu peux contacter Washington. Les autres, préparez-vous, on s'en va. T'as pris la bonne décision, Bell, suis-moi. T'es encore dans l'équipe. Perseus. Les experts de la CIA le considèrent comme la plus grande menace pour le monde libre.
On vous a confié une mission importante. Celle de protéger notre mode de vie d'un immense danger. Les États-Unis et leurs alliés consument lentement tout ce qui nous est cher. Dans quelques heures, Perseus va déclencher des bombes nucléaires dans les plus grandes villes d'Europe. On ne reculera devant rien. Certains dépasseront les limites. Pour que les limites existent encore demain. On ne nous traitera ni de héros, ni de monstres. On est invisible. Quant à moi, je traque ce fantôme inlassablement depuis 13 ans. Ça suffit.
Merci, Adler. Adler, ici Hudson. Tu t'es occupé des canons anti-aériens? Faut qu'on lance les bombardiers. On a détruit un canon. C'est pas assez. Je peux pas risquer une frappe anticipée. On n'aura qu'une seule chance. Parce que je le sais pas, peut-être. Prépare-toi à décoller quand je te le dirai, Hudson. Contact.
unités. On va bombarder la zone. Repli de toutes les unités alliées. Je répète, repli de toutes les unités alliées. Équipe au sol, la zone est menacée. Danger proche, je répète, danger proche. Belle, faut qu'on y aille, vite! C'est bon, monsieur le président. Ils ont arrêté les bombes. Merci, mon Dieu. Et merci, la CIA. Ont-ils pris Perseus ? Non, monsieur. On ne sait pas où il se trouve. Et du côté des Russes ? Toujours rien. Ils ont l'air d'être dans la confusion la plus totale. C'est peut-être l'acte d'un franc-tireur. Perseus ne suivait sans doute pas les ordres de Moscou. Ah, c'est pas vrai. Il semblerait qu'on ait des points communs, finalement. Ça se passe en bas. Répondez. Woods, tu les as trouvés? Par ici! File-moi un coup de main! Prends ma main, Belle. On a réussi. Ceci est un message pour Perseus et ceux qui le suivront. On ne restera jamais assis, les bras croisés. On œuvrera pour le bien. C'est comme ça qu'on gagne les guerres, Belle. Du nouveau sur Cassim Javadi ? Ouais. Après avoir capturé Cassim Javadi, on l'a convaincu qu'il avait plus intérêt à travailler pour nous que contre nous. La mort d'Arash Kadivar laisse un boulevard à Kassim pour prendre la tête du réseau. Grâce à lui, on y verra plus clair dans les activités soviétiques au Moyen-Orient. Mais avec notre soutien, il devrait pouvoir peser vraiment sur les affaires régionales à l'avenir. Et Anton Volkov ? Après sa mort, certains éléments à RDA ont vu une occasion de réduire l'influence de la pègre russe à Berlin-Est. Il y a 2 jours, la Stasi a fait une descente d'envergure en pleine nuit dans tous les foyers qui avaient un lien avec Volkov. Les hommes, les femmes et les enfants étaient tous partis avant le lever du soleil. C'est un sacré revers pour les activités soviétiques clandestines en Europe. Comment s'est passée l'opération de nettoyage à La Havane ? On a réussi à récupérer le corps de l'agent Azoulay dans le complexe à Cuba. Le président Reagan va contacter personnellement sa famille, et son cercueil est en transit pour Tel Aviv. Comme tu le sais, Hélène Park est rentrée à Londres. Elle va se remettre de ses blessures là-bas. Après ça, le MI6 compte lui confier les rênes d'une équipe pour retrouver Perseus. Et pour le reste de l'équipe ? Ils ont pu s'enfuir de Solovetsky avant que les Soviétiques envoient des troupes pour enquêter. On va panser nos plaies un petit moment, et ensuite on retourne au boulot. On a peut-être empêché Perseus d'agir, mais ses sbires continuent de rejoindre nos rangs, aidés par l'un des nôtres. On a fini par attraper Aldrich, cet enfoiré. Mais le réseau de Perseus est toujours intact, et ils finiront par le remettre sur pied. Et l'Europe ? On n'a pas seulement empêché une attaque nucléaire, on a aussi éliminé le major Vadim Rudnik. C'est quand même une grosse claque pour le réseau européen de Perseus. En revanche, on n'a pas éliminé les principaux agents de Rudnik. C'est un problème dont il faudra s'occuper plus tard. Et Belle ? L'air de l'Arctique. Ça éclaircit les idées, pas vrai ? Belle, t'as fait 2 sacrifices extraordinaires pour arrêter Perseus. Le premier sans le savoir. Mais le deuxième, tu as pris la décision de ton plein gré. Je tiens simplement à ce que tu saches que ce qui s'est passé entre nous deux, c'était pour le bien de tous. T'es une vraie légende, tu le sais, ça ? Les héros, ça fait des sacrifices.
C'est pour ça que quand je vais t'en demander un dernier, j'espère que tu comprendras. Ça n'avait rien de personnel.